Hop bien bonjour tout le j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la Zerners. Il y a une mise à jour qui est du coup, à mon avis, la mise à jour multijoueur de ce mois-ci. C'est une énorme mise à jour, enfin c'est une mise à jour que j'attendais énormément en tout cas. J'espère que vous aussi également, vous le voyez dès le début du patch notes, il y a le patch notes qui s'affiche à l'écran et non, ce n'est pas un poinçon d'avril parce qu'on est le 1er avril. Le jour où sort cette mise à jour qui est du coup la 1.11.10. Et en gros, on a maintenant des groupes dans le jeu et ça nous dit du coup créer des groupes de 3 membres avec vos amis et parcourir les terres désolées. Alors malheureusement, je devais... Je pensais récorder ça avec Jimbo, mais vous savez, il s'est fait mal à l'épaule à la guerre du Vietnam et tout. Enfin, longue histoire. Et du coup, il peut malheureusement pas être là. Donc voilà, on va tester ça tout seul. Et en gros, voilà. Et ça dit même si vous êtes dans des clans différents, cela n'est pas un problème. Mais celui de connaître le code du joueur, c'est plus amusant d'être nettoyer les territoires avec vos potes qu'avec des gars aléatoires. Le patch note, il est un peu genre, un peu too much. Genre, je suis cool et tout, avec vos potes avec des gars aléatoires, des grands Je ne sais pas. On dirait des vieux qui parlent. Bref, Dévoreur, le boss, le puissant boss sector 7 était modifié. Son un meurtrier alors vous et vos amis, vous devez toujours donner pour le tuer, récupérer son butin avec un peu stratégie. vous pouvez néanmoins vous faciliter la tâche. D'accord. J'en suis pas encore là, mais on verra bien. Euh, ah oui Également très très cool, Twitch, alors ça euh, je sais pas quand est-ce que je le ferai, mais je sais que je referai des lives sur la The Honors. Il y a ma chaîne Twitch en description. Il y aura du coup des lots à gagner. Voilà, il suffira juste d'être présent sur le live. Et je crois que c'est par rapport à plus vous êtes présent et plus vous avez de chance de gagner un truc rare et tout. Je sais pas exactement comment c'est, mais en gros, voilà. Il y aura ma chaîne Twitch en description. Dès que je ferai un live last day, je mettrai ça du coup euh, en place et tout. Et il suffit juste de connecter son compte à Twitch. Enfin, vous arrivez sur Twitch, vous mettez live tranquillou. Euh, je suis même pas sûr qu'il y ait besoin de parler dans le chat. En bref, et voilà. Donc là ils disent que ça nous ferait gagner des pièces. Ils nous avaient parlé de packs. Je sais pas s'ils mettront les packs par la suite ou si pour l'instant c'est juste des pièces etc. Mais en tout cas c'est giga cool. Euh, Suivez-moi sur Twitch, vous verrez dès que je fais un live, etc. Même je les annonce sur Twitter, le jeu auquel je stream. Parce que si jamais vous arrivez sur Twitch, pas du last day, mais vous voulez quand même rester ou vous voulez peut-être pas rester, bah voilà. Euh, sachant qu'il y a beaucoup de Life After qui va pop également dans les prochains jours sur Twitch, donc voilà. Euh, bref, n'hésitez pas à venir. Voilà, hop, c'est parti. Alors, aucune idée de si vont mettre ça en place pour YouTube. Je sais que euh, d'ailleurs, c'est pour ça que je stream uniquement sur Twitch et parce qu'également j'ai le partenariat à Twitch. Euh, mais Twitch, il y a énormément d'interactions avec la communauté et tout, avec les joueurs, avec les personnes qui sont là sur, le, sur les lives et tout. Du coup, en vrai, giga cool qu'ils mettent ça pour Twitch et pas pour YouTube. Et voilà. Donc, on est parti. On va y aller. On va faire courir. Et on va aller voir ce que ça va donner. Je sais pas si j'ai des amis en ligne d'ailleurs. Est-ce que j'ai des amis en ligne J'ai quatre amis dans le jeu. Ok. Bah. Ah. Gain d'expérience augmentée de. Z... D'accord. Ok. Euh, attendez. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Invité dans le groupe. Euh... Ah. Et là, du coup. Ah. Alors. C'est cool, mais il aurait fallu un chat global. Si on avait eu un chat global et pas juste un chat en mode euh, tu peux parler avec tes potes du clan et tout. Surtout que je suis dans un clan, je suis dans un clan avec que des youtubeurs euh, streamers et tout. Ouais, il y a Fuerza, il y a Shade, il y a Elementix, euh, il y a Yujimbo, il y a qui d'autres, enfin voilà. Mais euh, je suis qu'avec des mecs qui jouent genre euh, à l'arrache pour faire des vidéos et tout et qui sont pas en mode full Donc en vrai, ce truc du groupe et tout, c'est super sympa. Vraiment c'est cool parce que bah, vous allez pouvoir y aller avec vos potes et tout. Euh, notamment bah, vous trouvez des gens sur Discord, sur Twitter, sur les lives, sur ce que vous voulez. Vous trouvez des gens, vous jouez avec eux et comme ça vous pouvez les inviter et jouer carrément ensemble. Par contre le son du, du feu est super fort dans mes oreilles. Mais bref. Ouais. Un peu limité en vrai. Donc là il faudrait que j'invite des gens, il faudrait que j'ai leur surnom, leur code de joueur. C'est cool. En vrai c'est grave cool. C'est un peu limité parce qu'il faut quand même connaître le nom des gens et tout Et on, y a, comme il n'y a pas de chat global dans le jeu malheureusement on va pas le trouver Mais on va aller voir sur place si jamais on peut, je sais pas genre euh, Inviter dans le groupe, ah bah tiens je peux inviter dans le groupe Joueur en ligne, joueur en ligne, joueur en ligne -ven Venez, bah joueur en ligne, ok génial <laughs> Génial, et je peux pas, est-ce que je peux ajouter les gens du clan Inviter dans le groupe, non je peux pas Clan, est-ce que là je peux membre Ok je suis le seul mec qui est en ligne euh, et là je peux inviter dans le groupe Mais il n'est pas, pas en ligne Il est pas en ligne Il est pas en ligne Et il n'y a personne qui est en ligne dans le groupe D'accord ok Ok Membre de clan 0 de 10 Chaque joueur qui a acheté un booster d'expérience bonus à tout le clan Ça c'est cool Ça c'est cool Ça c'est cool euh, Vous savez quoi Venez je suis jamais allé là-bas Venez on y va On va aller voir si le boss a changé Je sais pas du tout qu'est ce qu'il faut faire pour avoir le boss ou quoi Donc euh, on va aller voir si ça a changé Mais je, sachant que j'y suis jamais allé Donc je pourrais pas vous dire s'il si a changé ou pas Donc là je suis avec MCN Delta et un autre mec qui était tous les deux en invulnérable. Ok. Non, oh, attendez. Est-ce qu'il y a moyen, genre, de parler à des gens et de les. Oh là 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 là. Oh là là, j'aime pas trop les crachats comme ça. Est-ce que je peux, genre, lui, est-ce que je peux lui parler et je peux l'ajouter ou pas J'ai pas d'interaction possible. D'accord. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ça manque de. En vrai, je pensais qu'on allait pouvoir euh, parler à des gens et créer un groupe et tout. Enfin, le lancer sur le global, je sais pas trop quoi. Je m'attendais à ça en vrai. Euh, bah pourquoi pas. Et là, du coup, il y a le dévoreur qui est du coup une. Inab... En fait, ça s'appelle le dévoreur. C'est une abomination toxique. D'accord, euh, voilà. Donc il est là. Ah non, aïe, ça fait mal. Bah on va s'en aller, hein. Ah oui, puis c'est vrai que les mobs dans ce jeu ils tapent à 3 km, j'avais oublié. Alors attendez. <laughs> attendez, attendez. Est-ce que on peut croiser des, me des mecs ou des filles en groupe C'est ça la question en fait. Parce que est-ce on voit les gens qui sont en groupe Comment ça se passe Est-ce qu'on peut les ajouter en fait Je veux dire, genre, est-ce que je peux aller voir quelqu'un Je regarde son pseudo et je peux lâcher dans mon groupe ou pas En fait, je crois que le problème qu'il y a, c'est qu'il faut connaître le numéro de la personne. Mais est-ce que si j'ai que le pseudo. Voilà, tiens, là il y a un pelo. Euh, et il s'appelle du coup. C'est un russe du coup bah je peux pas copier son pseudo Mais en fait même si je connais le pseudo de la personne Je connais pas son numéro, c'est le numéro en fait qui me manque Voilà donc là j'ai Charles Qui est dans le clan Charles évidemment L'originalité Donc j'ai Shooter qui est chez Chocolatine Comment ça Chocolatine Ça veut rien dire Chocolatine d'accord Un moment faut arrêter ok Ça me dégoûte Voilà et en plus ça c'est une mentalité de mec de, qui mange des chocolatines Ça, d'attendre que les zombies euh, D'attendre que quelqu'un d'autre aille choper les zombies et hop, je me huile. Bref, euh, ouais. Bah, je veux bien ajouter des potes. Ok. Du coup, ouais. En fait, c'est cool si vous êtes dans un clan. Mais il faut être obligé d'être dans un clan, je pense. Parce qu'on ne peut pas ajouter des gens comme ça au hasard qu'on ne connaît pas. Un peu dommage. Je m'attendais à ce qu'il y ait des annonces qui pop ou un truc genre euh, tiens tu peux rejoindre un groupe et tout. Mais voilà. Et également un truc très cool, vous allez le voir à l'écran, c'est que on a un stockage de clan euh, où il y a des mecs qui du coup ont stocké des... Ok, plutôt cool. C'est quoi Je vais participer, je vais mettre un bandage. Voilà, c'est ma, ma participation pour le clan. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, aucune idée de si. Parce que vous savez qu'il faut récupérer. Je sais plus quelle arme et tout sur le boss. MP5 si j'ai pas bêtise. A euh, mon avis, c'est même pas une MP5. Je pense que la plupart des gens l'ont fini. J'ai pas du tout avancé en secteur 7. Mais euh, ouais. Est-ce que si est quelqu'un met l'arme ici et qu'on la récupère, ça marche quand même pour la quête J'espère. Mais, euh, mais ouais. En vrai, la mise à jour est cool. Bon c'est un truc qu'ils auraient dû mettre dès le début euh, parce que là la plupart des gens ont fini les tâches. Je suis un des seuls guignols qui n'a pas fini les tâches tellement j'ai pas la foi de le faire. Euh, ouais voilà, trouver la MP5K, tuer le dévoreur, ok ok. Donc, euh, donc ouais. En vrai, c'est une mise à jour qui est cool, c'est une petite mise à jour, mais c'est toujours cool d'avoir ça. Euh, c'est pas non plus le truc monstrueux, mais bon, ça fait la diff. En vrai, dès que vous êtes dans un clan, vous allez pouvoir y aller avec les potes de votre clan et tout, et vous allez pouvoir vous organiser, et également, bah, je sais pas, genre vous y allez à, à 3, parce que c'est des groupes de 3 apparemment, je sais pas pourquoi on est limité à 3, mais pas euh, Vous y allez à 3, et vous décidez, bah tiens, il euh, y a machin numéro 1 qui, cette fois-ci, récupère la MP5, ensuite, demain, c'est machin numéro 2, le troisième jour, c'est machin numéro 3, etc. Vous pouvez aider les mecs de votre clan et tout, du coup, en vrai... C'est sympathique, c'est pas non plus monstrueux comme mise à jour, on va pas se mentir, on va pas, voilà. C'est sympathique. Ça fait un peu la différence, en vrai, on va pas se mentir parce que ça doit bien aider notamment ceux qui galèrent, etc. Mais, euh, mais voilà, on attend aussi également euh, un chat public et tout, et pouvoir bah, euh, pouvoir, bah discuter avec. Euh, pro en fait, proposer aux gens, genre je rejoins mon groupe et tout, et voilà, tu vois. Ce genre de choses Bref J'espère que la vidéo vous aura plu Petite mise à jour La ZEC Qui était plutôt sympathique euh, En 1er avril Du coup on s'attendait tous à une blague Ce n'en est pas une Voilà C'est une vraie mise à jour Bref Youtube J'espère que la vidéo vous aura plu Moi je vais aller euh, Bah honnêtement J'ai rien à faire dans le jeu Ah si j'ai ça là-bas à faire Ok il faudra que je me dépêche J'espère que la vidéo vous aura plu Je vous dis à la prochaine Passez une bonne journée Ou une bonne soirée Amusez-vous bien Salut salut Bye bye